restaurer une famille. Quand Dieu veut restaurer notre famille, qui s'arrange, il besoin de mettre un changement en dedans de famille. Un changement au cœur de chaque personne. Je sais que comment vous allez faire le bien à parler, difficile à pardonner, difficile à prendre de bonnes décisions, mais Dieu peut changer au cœur de pierre en cœur de chair. Alors, quand tu changes nos cœurs de pierre en cœur de chair, c'est une restauration. Et puisque cette restauration est faite par Dieu, c'est une restauration parfaite et complète. Parfait, chers frères et sœurs, c'est une restauration parfaite et complète. Voilà pourquoi, chers amis, amis du moins un, dit bon pour nous mettre Jésus au cœur de notre foyer. Comment vous allez mettre Jésus au cœur de votre foyer, chers amis? Comme Jésus n'enseigne au milieu de foyer, nous, qui ça s'appelle du coup, hein? Ça permet de nous gagner un amour pour Jésus. C'est la raison pour laquelle nous avons lu tout à l'heure le texte bas de la semaine de prière, en nous liant en même si nous avons été pour faire des sérieux, de Théronome 6, verset 5. Il dit quoi, chers amis? Est-ce que vous venez? En disant, chers amis, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout mon cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Wow. J'aimerais le Seigneur ton Dieu de tout mon cœur. C'est l'acte de l'amour encore. Le cœur est le centre où l'amour se déborde. C'est-à-dire, l'amour passant qui nous a bien positif, comme il y a un amour plus fort en ta bonne Dieu, de toute quelque force. Énergie ou pas déployée pour ce que l'on a besoin de famille, pour ce que l'on a besoin, madame ou a besoin de nos proches, d'écouter plus que ça pour même mon Dieu. Et de tout le monde, pas un pasteur, ici, ça va nous dire, non, qui a pas dit, ah, qu'est-ce qu'on voit, nous devons pasteur, comme on est là. C'est pas pour les enfants.